Bonsoir. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai dit à toutes et à toutes, je sais plus. Bref, bienvenue. Aujourd'hui, en ce lundi 25 mai 2020, pour un nouveau live. Un live sur The Last of Us. Petit jeu indé que je ne connais pas, que je viens de découvrir. Donc que je vais essayer de faire, hein, je ne connais absolument pas. Hop, sort de scène. Je vais couper la musique. Même si elle est bien et tout ça. Donc, hop, on est parti, on va lancer le jeu. Alors, The Last of Us, bon, je pense que j'ai pas besoin de dire qu'est-ce que c'est comme jeu. Je pense qu'il est assez connu. Alors, est-ce qu'il est connu parce qu'il en vaut la peine ou c'est juste un jeu overhypé? Je ne sais pas parce que je l'ai jamais fini. J'y ai joué, mais j'ai jamais réussi à accrocher. Alors là, je me suis dit, allez, cette fois j'essaye, cette fois c'est la bonne. Cette fois, on y va. Hein. Donc c'est la version remastered, donc la version PS4. Donc le jeu était sorti sur PS3. Donc voilà, j'y avais joué il y a longtemps. J'ai acheté la version PlayStation Hits. Donc c'est les jeux moins chers, quoi, les versions quand ça s'appelait déjà sur PS2. Là, je regarde. Alors. Voilà, sur PS2, c'était les jeux Platinum, donc les boîtes couleur grise, couleur platine, qui se vendaient moins cher. C'était souvent les jeux les plus vendus qui étaient mis comme ça, sous cette forme-là. Et je remarque que mon Rayman 3 Platinum est dégueulasse. Voilà. Donc là, bah, ils ont fait pareil il y a un an, deux ans, je sais plus, avec ils ont lancé leur gamme PlayStation Hit pour la PS4. Donc les jeux les plus vendus mais moins chers. Donc j'en ai profité, je l'ai pris là. Et donc il y a le DLC et tout dedans. Mais j'ai jamais vraiment joué. Et je savais même plus qu'il y avait un multijoueur. Je sais même pas ce qu'il propose. Bon. Donc c'est pour Naughty Dog. Bon, Naughty Dog, c'est un peu les... ceux qui font les... on va dire les plus gros jeux, enfin du moins qui gèrent le mieux les jeux sur PlayStation, qui font attention à des... ils ont le sens du détail pour certaines choses. Mais en vrai, je me demande quel jeu Naughty Dog j'ai... bah, à part The Last of Us du coup là. Auquel j'ai déjà joué. Infamous, c'est Sucker Punch, donc c'est pas Naughty Dog. Je sais même plus. Ah non, je veux plus que 30 FPS. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à toucher. Ouais, comme d'habitude, les dialogues. Le chat, c'est pour le multi, ça, je suppose. Bref, le chat. Enfin, les dialogues au max. Sortie, bon. Hein. S'en fiche. Voilà, voilà. La langue, c'est français, forcément. Ok. Ben, je sais même pas si j'ai encore une sauvegarde ou non. J'ai une sauvegarde, donc je vais faire une nouvelle partie. Donc ouais, j'ai jamais accroché à The Last of Us. Comme beaucoup disant que c'est genre le meilleur jeu, tout ça. Qui sont là, on veut un film The Last of Us et tout. J'ai jamais vraiment accroché. Parce que genre, je sais pas, il y avait des moments dans l'histoire où je lâchais le fil parce que ben il y avait des... c'est les claqueurs ou les creakers, je sais plus, enfin il y a des zombies qui sont relous où faut faire des phases d'infiltration et tout, je sais pas, des fois je perdais le fil là-dessus parce que moi j'étais dans l'ambiance, donc je flippais ma race et donc je mettais 15 ans à faire les séances d'infiltration et forcément après j'étais plus dedans, donc bon. Je range mon jeu PS2. Ok. Donc bon, on va faire une nouvelle partie. Hein. Je sais même pas combien de durée de vie là. S'il est long ou non.
J'en sais absolument rien. Bon, sur ce, hop, je vais lancer nouvelle partie. Étant donné que j'ai du mal à accrocher au jeu et que cette fois j'aimerais bien le terminer, je vais pas me mettre en difficile ou quoi que ce soit. Hein. On va se mettre en normal. Hein, comme ça, je suis sûr de pas rager déjà à cause de la difficulté. Et si je rage, je pense que c'est soit à cause de moi, soit parce que j'aime pas le jeu. On verra. Est-ce que je suis un rageux? On verra. Normal. Non. Si. Bah oui, nouvelle partie, hein. Ok, je me tais. Ah, les temps de chargement. C'est bon, hein? Allez. Là, c'est bon, là. C'est quoi? C'est comme une DS, faut souffler sur l'écran pour faire disparaître la poussière. Et c'est après que le jeu commence. Faut faire un truc. Oh, on peut bouger la poussière. Ah, c'est bon, ça commence. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Je voulais une Mega Drive. Oh chérie, c'est gentil, mais je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Yes. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. La drogue, c'est bien. Pour rembourser le prêt de la maison. La musique est belle, j'aime bien la gratte comme ça. Bonne nuit, trésor. Voilà, j'ai fini le jeu. J'étais en train de me dire si la cinématique c'est le moteur graphique du jeu, il va être beau. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas pareil. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Des. Allô? Il y a des soldes chez McDonald's. Le Big Mac à moins de 2 euros, c'est ça? Ça se passe en Amérique, non? Je sais même plus où ça se passe. Ah, faut que j'enlève mes joysticks là. Voilà. Bien mieux de jouer comme ça. Il marche pas. Il est cassé! Ok. Ah, c'est trop une ado qui regarde des films de loup-garou et tout. Les films catégorie teen sur Netflix. Elle fait du skateboard. C'est trop une jeune. Bon, mon intro, je m'en souviens. Je me souviens un peu de ce que j'ai fait au début du jeu. Mais après, je suis pas allé super loin. Ah mince, j'ai oublié de lui donner ça.
peut bouger. On peut pas le bouger. Ah, ça se fait tout seul, d'accord. Cher papa, voyons, tu n'es jamais là. Tu détestes la musique que j'écoute. Tu méprises carrément les films que je regarde. Et pourtant, bizarrement, tu arrives chaque année à être le meilleur des pères. C'est trop beau. Comment tu fais? Bon anniversaire, papounet. J'ai pas eu le temps de lire. Sûrement le nom de la gamine. Comment elle s'appelle? Je sais même pas. Est-ce qu'elle a dit son nom? Ou est-ce qu'on l'a entendu? Je ne sais pas. Ok, bon. Je vais sortir de la chambre. Hein. Papa? Est-ce qu'il y a un petit détail, genre le rideau il bouge? Pas du tout. D'accord. D'accord. Explosion des admissions dans l'hôpital de région. 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection. La liste des récoltes contaminées s'allonge, rappel massif attendu. Une femme hystérique tue son mari et trois autres victimes. Maïs. Le corona. Décidément. Au moins, il y a les reflets dans le jeu, dans le miroir. Ça va. C'est comme GTA, ils ont fait l'effort de faire les reflets dans le miroir. Ça se voit qu'elle vend de la drogue hein, parce que vu comme elle marche là, elle est déglinguée. Bon, est-ce qu'il y a des trucs là? Non, il y a des plans bizarres, on peut pas interagir avec. Tu es là? Sont en fait liés à la pandémie qui frappe. Qu'est-ce qui t'est passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Vous pouvez évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Ah bah yes. Hein. Ça c'est les gens qui pètent des plombs parce qu'il n'y a plus de PQ dans le Super U. Hein. Typique des Français. Je pense que ça se passe à Paris. Voilà, petit tacle. bon. On va descendre. Est-ce que l'animation marche? Elle est bien faite. Moi, je regarde les petits détails. Hein. On voit même pas vu que la caméra, on peut pas vraiment la baisser. Ouais, c'est Need for Speed. Donc il y a encore des gens qui achètent des veilleuses en 2020. Je sais même plus en quelle année il est sorti The Last of Us. En tout cas, le 2 sort le 19 juin. Ça je le sais parce que j'ai préco la PS4 Pro, l'édition The Last of Us 2. Ce qu'il me fallait une PS4 Pro pour jouer à Ghost of Tsushima étant donné que je tirais meilleure partie du jeu. C'est son téléphone. Ok. Je tape à ta bouche. Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es? Rappelle-moi, j'arrive bientôt. Ok. Je vais rentrer tard ce soir, ne m'attends pas, commande à manger, on se voit demain matin, papa. Où est-ce qu'il est? Shell Kleps. Che. Saleté de chien. Au moins, le chien du voisin, il arrête de nous emmerder le matin. Voilà. J'ai eu peur. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Coopers. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Les Coopers. Ah, les Coopers, genre les voisins, ça s'appelle Cooper, d'accord. Chérie, y'a là, y'a là. Jimmy.
Ah, le son. Ah, le son de la vitre brisée, là, il m'a éclaté les oreilles. De ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tirons-nous des sorts. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? Ok, le 2 c'est pour zoomer. On va dire ce qui s'est passé. Plus tard. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. Ah, c'est la voix du doubleur de John Bertal, ça, non? Ouais, bien sûr. Non? Celui qui fait la voix de du Punisher. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller. Il disait l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper ici. Prends la 60-61, c'est la fumée. Par contre, avant toute chose, il y a vraiment le son, genre il y a trop d'effets sonores, on n'entend pas assez les dialogues, je trouve. Volume. Effet, je vais mettre ça là. Les dialogues, ils sont en fond. Le chat, on va mettre au même niveau. Musique là, comme ça. Hop. J'ai vraiment l'impression de pas assez entendre les dialogues. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée Tommy. Dans sa maison. Mettre ta ceinture, peut-être. En tout cas, au moins, c'est pas juste une caméra qu'on bouge à 360 degrés, le personnage bouge avec. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Oh la merde. C'est la ferme de Louis. C'est la ferme d'Herschel, ça. Je reconnais, c'est Walking Dead, tout ça. Pas des gens en face là? Si. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Ah, ils volent. Ils volent. Quelqu'un d'autre passe. Ok. En tout cas, ils savent mettre l'ambiance. Enfin, pour l'instant, ça va quand même. Sans que ça part en vrille, quoi. Bon, par contre, les voitures sont dégueulasses. Là. La vitre! Bah yes. Bah yes. Papa? Hey. Recule ma puce. Recule. Carré. 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 J'ai l'impression que le son du jeu il est mal mixé quoi. Vraiment les sons des fois ils pètent les oreilles alors que les voix elles sont toutes toutes basses. Un peu relou. Lâche-moi Michel. Je suis là chérie, je suis là. Donne-moi la main.
Bouge-toi bien. D'accord. Ah, il vient de popper. Est-ce qu'on peut sprinter? Non. Pousse-toi. Ah, yes. Bah, let's go, hein. C'est la fiesta, la fiesta. Ne regarde pas ça. J'entends des bruits, mais je vois pas ce qui se passe. Par là-bas. Par là-bas, je vais là-bas. On va s'en sortir, c'est promis. Est-ce qu'on peut mourir dans ce tuto là? Enfin, un tuto, est-ce qu'on peut dire que c'est un tuto? Dans cette scène d'intro, quoi. Tire. Voilà. Toujours viser la tête. Il est mort. On y est presque. On y est presque, mon cœur. Avance. J'avance. Allez. On est d'accord, alors je peux pas sprinter en vrai. J'ai l'impression qu'il manque des voice lines. Genre là, il y avait le sous-titre comme quoi il disait ben quoi, mais j'ai pas entendu dire quoi. On y est presque. Oula. Ah. Cours, cours. Cure. Pourquoi cette envie pressante de vouloir manger les autres aussi? Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hey, on a besoin d'aide. Stop! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Mon Dieu. Pitié. Pitié. Pas ça. Pitié. Non. Eh ben. Ils savent comment mettre dans l'ambiance directe. Hein. Heureusement, j'ai pas caché la. J'ai pas caché le moment. Je voulais mettre un petit pel avec ma soundboard. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger Los Angeles. Désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur. En tout cas, un truc qu'on peut pas enlever à The Last of Us, c'est l'intro, quoi, qui Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Super bien mise en scène.
Un groupe se faisant appeler les Lucioles. Ça fait vraiment être à l'origine des deux attaques. Ça donne vraiment l'impression d'être de regarder une série ou un film de zombies quoi. L'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Ouais, je reconnais ça. On agit dans l'ombre, l'obscurité, c'est Assassin's Creed, ça, non? On joue à Assassin's Creed, en fait, là. 20 ans plus tard, ok. J'allais dire, j'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit, je crois que c'était écrit 6 ans plus tard, mais non, c'est 20 ans, d'accord. Ouais, j'arrive. Il a pris un coup de vieux dans la... Un coup de vieux dans la troche, le Jojo, ouais. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois, facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Robert? Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Ah. Il est pas assez malin. Il y a des gros mots. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Mais ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Ok. Bon, ça se passe en Amérique, ça forcément... je m'en doutais. Mais ça se passe où précisément? Le poste 5 est ouvert. On a que quelques heures avant le couvre-feu. C'est pas Washington, un truc comme ça? Je sais plus. Oula, la caméra là. Ah non, ok, c'est juste parce que. D'accord. J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisi pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai à leur dire. D'accord. Et toi, Joël? On t'a déjà appelé pour ce sale boulot? Non. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Bon, il y a une interaction entre les persos, les PNJ. Moi, je suis curieux, je me demande en quelle année il était sorti de la surface. Je sais même plus. Il est pas non plus si vieux que ça, je crois. Heureusement que j'ai mis les sous-titres parce que vraiment, des fois on n'entend vraiment pas ce qu'ils disent les gens. C'est ça le centre de distribution de rations, ok. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment dégueulasse. Je parie que les soldats là-bas, ils ont des vraies rations. Ne parle pas si fort. Qu'est-ce qui te prend? Peu importe, je m'en fous. Ils ont qu'à m'arrêter. Mais tu vas la fermer. Voilà, ferme-la. Bon, là-bas, y a rien. Ok, ok. Bon, je suppose qu'il faut aller vers Tess. Allez, Tess. Tess. Est-ce que ça bouge, ça? Pas du tout. Allez. Okay, okay, ça va.
j'entends plus ces bruitages de frappe sur les gens que le. Que les paroles, quoi. Pan. Eh bien. Oh putain, la ferme. Estimez-vous heureux. Allez, tout le monde, il n'y a rien à voir. Veuillez circuler. Appelez le nettoyage. Et vraiment, plus les bruitages sont beaucoup plus forts que les voix, ça m'énerve, alors que je les ai mis au max, les voix et les bruitages au minimum. C'est un peu chiant. Ok, bon. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Des arbres jaunes. C'est les petits poussins. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À ton avis, ils l'ont tabassé et ils l'ont embarqué. On l'a pas revu depuis. Non mais quel con. C'était couru d'avance. Il a une famille. Quel choix il avait? Justement, regarde où ça l'a mené. Eh, hey, Trouduc, qu'est-ce que tu regardes? Je croyais que c'était là-bas de... Salut, on veut pas d'ennui, d'accord? Y'a pas de problème. Je croyais que c'était la voix de... du doubleur de Daryl en français, mais non. Ouais. On m'a dit qu'ils les avaient alignés dans la rue et massacrés. Ils voulaient se venger. Si jamais les rebelles prennent le contrôle de la zone, on finira comme eux. Ça n'arrivera jamais ici. Le premier connard qui ose me regarder de travers, je le descends. Il devait faire la même chose dans toutes les zones de quarantaine où des émeutes ont éclaté. C'est ces foutues lucioles. Ils sèment le trouble parmi les habitants. Faut les anéantir, c'est la seule solution. Je suis bien d'accord. Ok, on se parle des lucioles. Moi j'aime bien aussi les lucioles, hein. C'est mignon tout ça. Oh la tronche. Ok, bon, on va continuer, hein. Allez. Je nous ai eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Surtout reste cool. C'est bon. Circulez. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Faut aller où? Qu'est-ce que tu me fais? Ah, tu me suis, c'est ça? Je suppose. Ça doit être ça. Bon. Passons le checkpoint. Mais vraiment, il y a des voix. Ah. J'allais dire que des fois, il y a les voix. Ça m'énerve, on les entend vraiment pas. Quoi. Maintenez L et appuyez sur X pour vous retourner rapidement. Ah, d'accord. Ok, d'accord. L1 pour sprinter. L1, d'accord. Installe-toi, ok. Bon, c'est le tuto, quoi. Soignez vos blessures avec des kits médicales. Ouais, bon, normal, quoi. Utilisation de kits médicales prend du temps. Assurez-vous d'être en lieu sûr. Équipez-vous avec la flèche du haut et maintenez R2 pour l'utiliser. Ouais, faut maintenir, quoi. D'accord. Il enfile autour du bras, ok. Fermez tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. D'accord. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Robert. Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué.
Les pigeons. Tu vas t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant. J'aime pas ça. Il y a des verrous sur les portes là. Eh ben. Ça rigole pas, hein. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldats ou d'infectés. Ça fait plaisir à entendre. C'est la voix de Goku, ça. Soldier 76. Ok. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? D'accord. C'est bon, c'est... Il y a mieux comme cachette quand même. Hein. Ah non, pas la bouteille. Hein. Je veux dire, les livres, ils cachent pas le trou, ouais. Faites attention à vous là-bas. Ok. Ah, et comment ils remontent ? Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'ils jettent ici. Est-ce qu'il y a des trucs à récolter dans le jeu ? Je sais même pas. Enfin, je sais plus. Moi, ça m'intrigue comment ils font pour remonter après. C'est quand même, ça a l'air d'être vachement haut. Bah oui. Oui. Ok. On peut aller là-haut ? Hey Joël, on peut pas. Peut-être après. Peut-être par là qu'on va aller justement. Est-ce qu'il y a des trucs ? Non. Bon, pour l'instant, c'est le tuto. À mon avis, faut que suivre les indications, tout ça. Les gaspille pas alors. La lampe torche. Voilà, la lampe torche. Appuyez sur R2 sans viser pour recharger. Pourquoi c'est... Ok, c'est cette touche là pour viser. D'accord. Y. J'appuie sur Y. Prêt ? Bien, madame. Allez. Allez, ma grande. Ok. Allez. En tout cas, ça y va quoi, le tunnel de contrebandier là. C'est une question piège. Bon là y a rien. Ça m'intrigue, il y a plein d'endroits où on peut aller là. Là, il n'y a rien. Là non plus. Tout un passage par là, d'accord. Est-ce qu'on peut passer par là ? Est-ce qu'il va se baisser ? Non, d'accord. Est-ce qu'il y a une touche pour se baisser ? Ça, c'est pour allumer la lampe torche. Pour donner un coup. B, c'est pour se baisser, d'accord. Donc là, si je me baisse, voilà. Ok. Eh ben. Elle est où l'échelle ? Elle doit être quelque part dans le coin. Ça veut dire que la nature a repris ses droits, quoi. Hein ? Là, je peux pas sprinter ? Si. À chaque fois, j'appuie sur croix pour sprinter, mais c'est L. Hein. Faut que je m'y fasse. Ok. Hey, regardez par là-bas. J'ai une échelle. Allez. Bon, jusque-là, je m'en souviens. Hop. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. La question est, est-ce que les infectés de The Last of Us montent les échelles ? Parce que si c'est le cas, moi je vais pas les aimer. Hein. Des bidules.
Des pièces. Rien. Ok, ok. Faut descendre par là. Oh, mais moi, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Héhé. Pendentif des lucioles. Ouais, donc il y a bien des collectables, collectibles, collecte muche-muche. Pendentif porté par les membres de la milice des lucioles. D'accord. Donc ouais, il y a des trucs à apprendre dans le jeu. Pour la progression, ok. Aïe. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit bien le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Ouais, il rapporte toujours quelque chose. On aura de quoi faire pour un moment. Attends. Des sports. Ah. Peut-être pas dit qu'il y avait des sports depuis avant, en fait, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des piles dans la batterie? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Puis sur Ring pour vous accroupir, ça j'ai vu avait. Il est triangle. Quoi. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Eh ben mon pauvre. Eh ben. Mais en tout cas, sans lumière, ça a l'air d'être compliqué de faire quoi que ce soit. Oh merde! Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Attaque surprise, là. Doucement. Putain! Attention, attention. Aidez-moi. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je vais vraiment gâcher des munitions pour ça, moi? Je peux pas prendre ça. Est-ce que je vais vraiment gâcher des munitions pour ça? Bon, allez, on les sent pas. En route. Est-ce qu'on peut recharger? Et c'est ça, hein. Ok. Ok. Peut-être pas la meilleure des idées, quoi. Ça se trouve, s'il y avait des zombies là, enfin des infectés. Parce qu'ils ont plus l'air d'être infectés que morts-vivants. Ça se trouve, ils vont nous capter. Ok. C'est bien dégueulasse en tout cas. Hein. Tu me laisses passer, s'il te plaît, merci. Passer par là. Ici, à quoi? Ok, ok. Bon, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien à récupérer. Ok, donc on va passer par là. Hein. Maintenez R1 pour concentrer lui de Joël. J'aime pas trop ces trucs, moi ça fait un peu de cheater. Hein. Approchez-vous discrètement de l'infecté pour le tuer, je suppose. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'ils sont sensibles à la lumière? Ou juste au bruit? Non, je crois qu'eux, ils voient. Ils doivent voir normalement. C'est les zombies qu'on croise plus tard qui... Ah, d'un coup, ça s'est fermé, là. D'accord. C'est les zombies qu'on croise plus tard, je crois, qui sont restés... Qui sont aveugles et qui sont... réceptif qu'à lui. Est-ce que je peux passer là? Euh,
Du coup, si on se fait mordre par eux, est-ce qu'on se transforme? Il y a un petit truc là. Plein. Faut pas le prendre? Ok. Fais pas de bruit quand tu t'ouvres. Ça fait du bruit un peu quand même. Hein. Ok, ok. Par contre, les sports là, c'est abusé. On voit vraiment rien quoi. Bon, les tam-tams, vous vous calmez. Doum doum. Boum boum. Tam tam de l'enfer. J'ai l'impression que le mec depuis avant il souffre. Depuis je pense que normalement bon tu meurs quand même quoi au bout d'un moment. Ok. Voyons voir ce qu'il y a là. Les spores ils sont en train de s'évaporer ou c'est juste que c'est la magie? Genre d'un coup il n'y en a plus. Note frère. Ah c'est à chaque fois que je dois tout lire. Je vais pas prendre le temps de tout lire hein, parce que bon. Les infectés essaient de s'infiltrer dans la zone. Même si tout le monde se plaint, il y en a tout un tas qui resteraient libres à l'intérieur. Ok, donc on vient de là, nous. Hein. Faut qu'on aille là. Manger, manger, bruit de manger. Ok. Bon, on les a tous eus. J'espère bien. Ouais, alors, étant donné que j'ai vu qu'il y avait plein de sports avant, moi j'aurais pas enlevé mon masque comme ça, hein. Et bébé, juste peut-être tout petit peu. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Toc, c'est bon. Est-ce que c'est aussi une bonne idée d'aller dans l'eau? Étant donné que les spores, s'ils sont dans l'eau, qu'on est en contact avec, on est peut-être infecté. Voilà. Professeur Muller. Je vous le dis, l'eau peut être porteur de maladie. Et rien. Là-dedans, est-ce qu'on peut y aller? Non. Est-ce qu'on voit toujours les autres si... Non. D'accord. Ah, et dès qu'on appuie sur le bouton pour écouter, il se met automatiquement en mode furtif. C'est bien ça. Enfin, je pense. Ok. Ça aussi, là, tu touches le visage alors que t'as mis tes mains je ne sais où. C'est pas un bon réflexe. C'est comme les gens qui touchent leur masque tout le temps. Il ne faut pas. On va la suivre. Hop, on monte. Ouais, j'y vais. C'était de l'autre côté, je suppose. Mais bon, avant, je vais voir s'il n'y a pas des trucs. Je pense que les munitions dans le jeu, c'est hyper important. Donc, je préfère vérifier. Comme ça, j'en ai au max. Faut passer par... passer par là. Ok. Ok, ok. Là, on peut rien faire.
Là, c'est pas un objet à récupérer. Ah, la planche, ok. La planche. Hey, tu peux me passer cette planche ? Non. Non. Vas-y, passe-la moi. Non. Allez, prends. Maintenant, tu te débrouilles. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Ok. Bon, je suppose que moi, je peux plus monter, là. Hein. Allez. Et voilà. Ok. Et donc ? Ramène tes fesses, on y va. Quelle autorité ? D'accord. Je passe par où, moi ? Presque arrivé. Par là. J'avais point vu. Je n'avais point vu. D'accord. Est-ce qu'il y a des trucs, là, du coup ? Bah là, c'est de là d'où on vient, donc... Donc non, je ne pince point. Allez. Séance équilibriste. Bon, ça va, il n'y a pas de système de d'équilibre comme dans les anciens Tomb Raider. Mais il y a un truc là. Et hey. Hey, moi je passe pas à côté de ça. Hein. Ah, mais je suis plein. Yes. Yes. On peut pas sauter par-dessus les rambardes. Nul. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. J'adore en tout cas la randonnée. J'aime beaucoup. Ces petits endroits où la nature est omniprésente. C'est du bon de se ressourcer pour retrouver nos racines. Communiquer avec la nature, toucher les arbres. Faire de la pêche. Là bas il y a un truc là. Hein. Allez. Allez le jeu. Non il n'y a rien. Ok ok. Ah bah, sympa ça. Merci. Ok. Faut continuer hein. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Pourquoi les munitions elles sont rouges? Moi quand je vois un truc rouge je me dis c'est plein ou soit faut pas prendre, je sais pas. Hey, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldat, pas d'homme de Robert, ok? Ça lui donne du chichon? Je sais qu'il nous a de la moulaga? Eh ben ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. En tout cas, qui laisse des munitions juste là? Ma belle, comment ça va aujourd'hui? Pas mal d'intérêt. Non, 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 c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris. Ok, je peux le faire. Qui laisserait des munitions là alors qu'il y a des gens juste à côté et qu'il y a une communauté? Ça va, Vas? C'est Vas de Far Cry 3, ça je reconnais. Ok. Qu'est-ce que vous vendez de beau, dites-moi. Pas de carte de rationnement. Pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Ah, ok. De toute façon, ce que tu vends, ça a pas l'air foufou, hein. Alors, rien à faire, en fait. Maniez-vous, on crève de faim. Laisse du rat. La prochaine tournée arrive tout de suite. T'as intérêt à faire la queue comme tout le monde. Putain, ça fait un bail que j'attends ce rat. Du bon rat. Pas fermé, toi. Les chiens sont déjà réservés. Je les ai vendus en moins d'une heure. Je reviens dans une semaine. 15 tickets. J'ai envie de sortir mon arme et de les tirer dessus. Insupportable, les chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer. Bonjour, messieurs. Si tu touches, tu payes. Ah. Tess, ça faisait un bail. Tu nous rends plus visite. C'est qui ça? Occupe-toi de tes affaires.
Ok. Ouais, tu me laisses. Moi, je suis avec Tess. C'est qui ? Une vieille prise de tête. Cherche pas. Apparemment, Tess. Elle est connue dans le milieu, Tess, non ? Qu'est-ce que tu veux ? De l'alcool. Donne-moi de l'alcool. Quoi ? Monsieur, il a affûté sa machette. Il y a un truc là. Brouillon d'avis. Bon, je vais pas tout lire. Hein. Libé. Voici un truc. Ce type stocke tout un tas de conneries dans cette usine. Wow, attends un peu. Ouais. Apparemment, moi, c'est la... Comment dire, ça a l'air de pas être pas super grave. C'est quand même, mais il y a toujours des militaires, apparemment. Enfin, je pense que c'était des militaires, non, on était au début du jeu. À moins que c'est juste des gens qui ont pris les armes et qui ont instauré une sorte de milice. Je ne sais point. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Tout se troque avec des tickets, quoi. Si j'avais su, j'aurais gardé mes cartes Yu-Gi-Oh! Pour la fin du monde, ça se trouve, on va troquer avec ça, quoi. Mes toupies Beyblade. Regardez pour la lumière. Cherchez la lumière. C'est lui le Bernard là. On vous fera pas de mal. Oula. Ne faites pas ça. Oula, c'est mal fait. De questions que je parte sans Robert. C'est mal fait. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez ici immédiatement. Ah. C'est normal ce bug ou Enfin non, c'est pas normal mais Je te couvre. Élimine-le. D'accord. Bug de son. Elle va où? Elle fait quoi? Non mais il se prend 3 balles pour mourir lui. Ok. Comment il a fait pour tous les rameuter ? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre un terme. La synchro labiale, enfin, là c'est même plus la synchro labiale, là c'est juste que c'était totalement décalé. Pourtant j'ai mis le jeu à jour, donc il devrait pas y avoir de bug. Enfin, du moins beaucoup moins. Je pense, j'espère. Bizarre quand même ça.